Bonjour madame, quel est votre nom? Moi, c'est Madame Aïdara Sokou Renani Sara. Ok. Vous êtes présidente? Je suis la présidente du Conseil des Guinéens établi au Burkina Faso. D'accord. Alors, madame, dites-nous comment les Guinéens établis au Burkina Faso sont organisés et après la mise en place de votre bureau en 2022, c'est quoi son rôle à l'endroit des Guinéens? On est installé depuis le 17 septembre 2022 au Burkina Faso. On a fait les élections. Pour le moment, il n'y a pas de subvention qui vient de la Guinée. On se débrouille pour s'occuper des Guinéens. Cas de décès, cas de maladie, en tout cas, on arrive à s'en sortir avec le bureau, avec l'aide de tout un chacun, avec l'association. On arrive à subventionner pour les À Guinéens. travers les Ah, cotisations, voilà. à travers les cotisations. À travers les cotisations des Guinéens, on arrive à s'en sortir. Voilà. D'accord. Depuis des années, surtout moi-même aussi, je fais beaucoup pour les soutenir, vraiment. D'accord. Alors, au-delà de ce rôle de soutien, est-ce que vous faites autre chose aussi? Vous assistez autrement les Guinéens dans d'autres sens? Ou bien c'est par rapport à ces problèmes de maladies et autres qu'ils ont? Non, on les assiste dans autre champ, sens parce que, bon, des fois on organise les fêtes. Voilà, on organise les fêtes pour eux. Par exemple, le 8 mars, on donne beaucoup d'habits aux femmes. D'accord. Des pagnes, on fait les djandjoba. Et puis, des fois, on leur donne de l'argent pour s'en sortir, pour faire des aides, quoi. Pour s'en sortir, voilà. D'accord. Ils sont au nombre de combien les Guinéens? Et nous, au Burkina Faso, on est à peu près à 17 000 Guinéens. À peu près, aujourd'hui, on peut dépasser ça même. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu de recensement d'abord. Depuis D'accord. des années, on est à 13 000 Guinéens à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, il y a à peu près 4 000 Guinéens. Bobo-Dioulasso, c'est Oui, la deuxième c'est la capitale économique économique du ouais, de Burkina Burkina Faso. Faso. 13 000 Parce que là-bas, Guinéens. c'est toutes les usines, quoi. Voilà, Ok. se trouve. D'accord. Maintenant, à Ouaga, vous êtes à plus de À 4 000. 4 000 Guinéens. D'accord. Voilà. Dans quel secteur d'activité les Guinéens évoluent là-bas le plus souvent? Bon, dans l'artisanat, la teinture. En tout cas, ils font la menuiserie. En tout cas, tu ne peux pas venir là-bas sans que tu n'aies pas un travail comme ça d'artisanat ou bien. Tu essayes, on t'aide à faire quelque chose. À Voilà, pour que tu ne s'intégrer. t'assoies pas comme ça, à t'intégrer vraiment. Pour que tu ne sois pas abandonné comme ça. Et si on ne peut pas, le bureau fait tout pour associer l'argent et pour récupérer l'argent pour t'envoyer au Mali. Après le Mali. Le Mali t'envoie peut-être. En tout cas, des fois, on arrive à, la communauté guinéenne arrive à te faire quitter du Burkina à Conakry même. Vraiment. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a les difficultés particulières auxquelles les Guinéens de Burkina sont confrontés? Les Oui, il y a difficultés que le problème des documents. Ils n'ont pas de carte. Des fois, ils viennent là-bas. Sans carte d'identité, sans passeport, sans rien. Donc, quand ils viennent comme ça, nous, on les donne. Si vraiment il y a des gens qui disent qu'ils les connaissent, ils ont leurs parents là-bas, on les fait établir une carte de membre. D'abord pour pouvoir rentrer ou bien avoir une carte consulaire. Voilà. À part ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont, qui ont des problèmes avec la justice? Est-ce qu'ils sont, il y a certains de nos compatriotes qui sont en prison et pourquoi? Et est-ce que vous partez vers eux pour chercher à les faire sortir? Oui, à chaque fois qu'il y a des Guinéens en prison, on part les faire sortir, vraiment. On essaie de les faire sortir, payer leur. En tout cas, l'argent Qu'il faut pour qu'il faut
pour les mettre au dehors, pour qu'ils gagnent leur liberté. Vraiment. Mais ça arrive Faire ça. souvent qu'ils... Beaucoup, beaucoup même. Tout le temps. Ok. Tout le temps. C'est Ils vrai. sont poursuivis là-bas souvent, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font souvent? Bon, des fois, ils viennent sans carte d'identité, sans rien, ils prennent l'argent des gens, ils disent je vais faire ceci Abus de avec. confiance. Oui, abus de confiance, par Ouais, exemple. ou Ils escroquerie. font ça ou bien escroquerie, tu vois. Okay. Donc, ce qui fait qu'ils les amènent en prison. Et nous, on ne peut pas s'asseoir comme ça sans les aider pour les faire sortir. Donc, on est là pour ça. Le bureau est là pour ça, en fait. Tout le D'accord. temps, c'est tout le temps, en fait. Est-ce que vous Voilà. avez une statistique par rapport à cela? Est-ce que vous connaissez le nombre de Guinéens qui sont dans ces difficultés comme ça? Oui, beaucoup, beaucoup même. Moi, je trouve que ils sont des fois, quand on a des problèmes, on les envoie, d'autres deviennent fous, on les envoie avec l'OIM, OIM qui nous supporte beaucoup hein, aussi. Pour le rapatriement. Non, pas pour le rapatriement. Ils les gardent avec eux. Après, le jour où ils veulent nous donner, ils nous donnent, on s'occupe, le bureau s'occupe de leur rapatriement. Alors, est-ce qu'il y a, il y a d'autres problèmes au-delà de ce problème lié à la justice mais aussi, comment dirais-je, à leur insertion? Est-ce que les Guinéens ont d'autres difficultés là-bas au Burkina? Ou bien Oui. comment vous vous sentez d'ailleurs de façon générale dans ce pays-là, Oui, en tant que là-bas, nous Guinéen? sommes très intégrés. L'État s'occupe vraiment de nous sur le plan d'intégration. On organise des journées d'intégration et beaucoup de choses. On organise le football, beaucoup de choses. Ça, c'est l'État. En tout cas, on est bien intégrés. Les Guinéens sont très bien intégrés et au Au Burkina Burkina Faso. Faso. S'ils ne font pas de problème. Voilà. Mais en général, c'est les femmes qui créent des problèmes parce que ils vont avec termes d'escroquerie, ils sont toujours des problèmes. Voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que les Burkinabés, comment ils sont regroupés là-bas? Est-ce que parfois vous avez des actions en faveur de la Guinée? Est-ce que vous agissez parfois pour aider certaines communautés en Guinée quand il y a catastrophe ou bien les dons de matériel ou je ne sais pas? Est-ce que vous parfois vous vous associez, comment dirais-je, avec vos maigres moyens? On sait que vous n'avez pas de moyens, mais est-ce que parfois vous vous associez pour faire certaines choses comme le font certains de nos compatriotes en France, en Belgique? Qui peuvent envoyer les médicaments et tout ça. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de faire d'agir comme ça en faveur de nos parents qui sont là? En tout cas, moi, je le fais. Je le fais avec mes propres moyens, les petits moyens que je fais. Et aussi la communauté, les jeunes s'occupent. Quand il y a décès, moi-même, quand il y a décès, je fais tout. Voilà, tout ce que je peux faire. Voilà, pour la personne qui est décédée, je le fais. Voilà, sans arrière-pensée. Les jeunes aussi. Voilà. C'est l'association qui s'occupe de ça. Donc, à part ça, on n'a pas d'autre. Voilà. Si vraiment la Guinée peut s'occuper de nous là-bas, en tout cas, ça serait une bonne chose. Moi-même, j'ai construit une maison de 800 mètres carrés. C'est mon mari qui m'a donné Le terrain. le terrain et on a construit pour les Guinéens. Voilà. Vous avez 800 construit ça mètres. pour les Guinéens? Oui, Ok. cadeau. Okay. Donc ils viennent se récréer là. Voilà, c'est là-bas, ils viennent se récréer. Ils viennent faire tout ce qu'ils peuvent le tout ce La qu'ils peuvent maison est faire. construite Là, sous de bonnes voilà. conditions. Mais on a demandé à l'État de nous aider. Pour le moment, Pour la finition. pour la finition, on a demandé à l'État de nous aider parce que moi, c'est mon mari qui a construit la maison. Il a donné le terrain, tout et tout. Donc, on a D'accord. demandé à l'État plusieurs fois de s'en Le occuper. Guinéen. Pas, voilà, pour les Guinéens. D'accord. Ça n'a pas. Le problème de décès là, est-ce que certains sollicitent à ce que leur corps soit rapatrié en Guinée? On ne peut pas. Il arrive. Il arrive. Mais Avec les quoi parents qui l'assistance? sont là n'ont pas des moyens pour s'occuper d'eux. Nous qui sommes là-bas aussi, on ne peut pas faire plus.
parce que rapatrier un corps, c'est très difficile. Donc, on le fait comme ça, on les demande pardon, nous, on n'a pas les moyens, mais moi, je les fais enterrer là-bas. Quand ils viennent, je les dis de venir. Quand ils viennent, je les montre la tombe de leurs parents. D'accord. Voilà, des Guinéens. D'accord. Alors, puisque vous êtes là aujourd'hui en Guinée, vous ne venez pas tout le temps, et est-ce que vous avez un appel à l'endroit des autorités guinéennes, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi au président de la République, par rapport à vos problèmes là-bas? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui en termes d'appel aux autorités pour le cas spécifique du Burkina Faso? Voilà. Pour le cas spécifique du Burkina Faso, j'interpelle le président de la République et puis le ministre chargé des Affaires étrangères, Maurice Sanda, il n'a qu'à nous aider pour qu'on s'en sorte de tout ça là. Parce que vraiment, on n'a pas de moyens. Vraiment. Pour Ils n'ont s'occuper qu'à des nous, Guinéens. des Guinéens, ils n'ont qu'à s'occuper de nous pour qu'on puisse s'occuper d'eux. Vraiment, ça nous fera beaucoup de plaisir. Vraiment, D'accord. je n'ai pas autre chose à dire pour Quel est ça. votre lien quand même avec l'ambassade, puisque vous avez un Bon, ambassadeur? en fait, l'ambassade, on n'a pas trop de liens, hein, L'ambassade au Mali. au Mali. Ah, ok. Oui. Il n'y a pas une ambassade de la Guinée Non. au Burkina Faso? Ok, Non. vous êtes rattaché à l'ambassade du Du Mali. Mali. Ok. Voilà. D'accord. Vraiment, bon, C'est ils compliqué. font pas, c'est compliqué. Si on pouvait créer une ambassade au Burkina Faso, ça serait la meilleure des choses. Parce que sur place, on peut trouver peut-être les moyens de s'en occuper des Guinéens. D'accord. Voilà. Alors, je crois que c'est bon, il y a quelque chose à ajouter pour qu'elle nous Elle a dise. été décorée par l'État burkinabé. L'État est burkinabé. Reprenez, j'ai été. J'ai été décoré Par l'État. par l'État burkinabé. Pourquoi? Ah bon, parce que En faveur de à l'intégration dans la travers société. l'intégration, je pose des actes qui vont à leur faveur, à notre faveur de la En Guinée. faveur des Guinéens. Voilà. Donc, j'ai été décoré par le président de la République. D'accord. Voilà. Ça, c'était en quelle année? En 2011, j'ai D'accord. été décoré chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Ok, Voilà. Burkina Et Faso. j'ai été décorée aussi ambassadrice de la paix au D'accord. Burkina Faso. D'accord. Donc, je suis bien intégrée maintenant. Je pense que si D'accord. l'État peut nous aider, ça serait la meilleure des choses, en tout cas. Oui. Et j'ai été Quelque... aussi décorée ici, talent de Guinée, en C'était 98, 2018. 2018. Voilà. D'accord, ça c'est en Guinée ici. Oui, en Guinée. Voilà. D'accord. Merci bien madame, ça ne Oui. reste qu'à vous dire merci et Oui. bon courage du côté de Burkina Faso. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Et...